Webinar. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathias Brissot, consultant SAP PPM pour l'entreprise TeamSquare. Je suis aujourd'hui accompagné de Jessica Bienvenu, notre responsable commercial et marketing. Et nous allons vous présenter un webinar SAP PPM au sujet du multi-project management, la gestion multi-projet au sein de la solution SAP PPM. Le déroulement du webinaire se fera comme ceci, donc il va durer environ 1 heure, avec une présentation de 45 minutes sur le sujet de la gestion multiprojet et 15 minutes en fin de séance dédiée à vos questions-réponses. Donc vous avez au sein de l'interface du webinaire une zone de texte dédiée à vos questions. N'hésitez pas à écrire vos questions pendant le webinaire, ce n'est pas la peine d'attendre la fin de la session. Et ensuite, durant ces 15 minutes, nous les déroulerons une par une pour essayer d'y répondre. L'agenda du jour, rapidement, Jessica va vous présenter TeamSquare, notre société de consulting et les différents métiers et prestations que nous effectuons. Et ensuite, je poursuivrai avec la présentation du webinaire en tant que tel sur la gestion multiprojet dans SAP PPM au sein de trois fonctions maîtres qui sont les tâches miroirs, les sous-projets et les programmes. Enfin, je vous évoquerai l'intégration avec des outils tiers, et notamment Microsoft Project, pour aussi gérer des projets de différentes sources. Et enfin, comme dit précédemment, une session dédiée à vos questions et réponses. Jessica, je te laisse présenter la société. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Très rapidement, je vais faire une petite présentation de TeamSquare. TeamSquare, on est une société spécialisée en conseil en gestion de projet. On a plus de 20 ans d'expérience en management de projet et de portefeuille de projet. Notre philosophie, c'est de se dire qu'il faut lier à la fois les méthodologies de gestion de projet et les outils de gestion de projet. Et pour ça, on peut travailler avec vous sur différents axes. Le premier, c'est l'axe de conseil. Conseil pour améliorer au quotidien votre gestion de projet. On assure également des formations méthodologie de gestion de projet et également des formations sur les outils. On peut également vous faire de l'assistance et du support pour votre gestion de projet. Donc, ça passe par exemple pour de l'aide au Project Management Office, c'est de l'aide également apportée au chef de projet. Ça peut être du support méthodologique, du support fonctionnel sur les outils de gestion de projet. Donc, toutes sortes de supports et d'assistance que l'on peut vous apporter. Et enfin, on a également une équipe technique qui peut réaliser des développements spécifiques afin d'ajouter des interfaces, des add-ons sur les différents systèmes d'information projet. Nous avons un savoir-faire reconnu donc depuis plus de 20 ans par nos clients et également par nos partenaires. Et la grande nouveauté de ces derniers mois, c'est qu'on est maintenant partenaire d'SAP pour SAP PPM. Donc on est le premier partenaire en France sur SAP PPM. On est très fiers de ce partenariat et on est très fiers également de la certification que Mathias a obtenue sur SAP PPM. Donc c'est fort de ce partenariat qu'on vous propose ce webinaire pour mieux comprendre SAP PPM et toutes les fonctionnalités que cet outil propose. Rapidement également, TeamSquare, on est une société d'origine lyonnaise, donc le siège de la société est à Lyon, mais très vite, en fonction des différentes missions et des différents clients qu'on a pu avoir, on s'est développé un peu partout en France. On a également une agence très importante sur Paris, place de la Bastille, puis une agence également dans le sud de la France, près de Sophia Antipolis. Et enfin, des consultants un peu partout en France, très mobiles, pour assurer une couverture complète de la France. Pour terminer, quelques références de TeamSquare. L'objectif de ce slide est de vous montrer que chez TeamSquare, on travaille avec tout type de clients, aussi bien des PME que des grands groupes du CAC 40. On travaille aussi bien avec le secteur public que le secteur privé. Donc le panel est extrêmement varié,
Les missions que nous menons sont extrêmement variées. L'objectif est toujours le même, c'est d'accompagner nos clients à améliorer leur gestion de projet au quotidien, aussi bien à travers les méthodologies que les outils de gestion de projet. Voilà très rapidement pour la présentation de Team Square. Mathias, je te redonne la main pour nous présenter SAP PPM. Merci Jessica. Donc tout d'abord, une petite introduction pour remettre dans le contexte la solution PPM. Donc PPM signifie Portfolio and Project Management. C'est une solution d'SAP qui a été développée au milieu des années 2000 qui permet de faire un suivi à la fois opérationnel, décisionnel, financier de son portefeuille de projet. La solution on va dire, se sépare en trois domaines principaux. Tout d'abord, en haut, le domaine du portefeuille de projet, qui est une vision macro de votre portefeuille de projet, dans laquelle les portfolio managers pourront faire des saisies budgétaires à Yable, suivre à ce niveau l'ensemble des coûts, des demandes en ressources et comparaison avec les budgets du tout portefeuille de projet, et faire également des simulations et des priorisations. Le deuxième domaine principal, en bas à gauche, est le projet opérationnel. C'est là où le projet va être exécuté avec une planification plus détaillée des tâches, avec des affectations en ressources, des demandes de ressources et des simulations de planification dans le temps pour suivre son projet opérationnel. Enfin, en bas à droite, l'aspect financier. Donc la solution PPM s'intègre à l'ERP d'SAP, c'est une des forces de la solution, avec pour but de pouvoir consolider à la fois les coûts budgétaires, les coûts engagés, planifiés, les saisies dépenses des ressources sur les projets, et d'avoir une consolidation financière complète. Ces trois domaines communiquent entre eux. Grâce à l'intégration forte des SAP, différents indicateurs peuvent remonter au niveau du portefeuille du projet pour le portfolio manager, également au niveau du projet opérationnel pour le chef de projet, et également pour les financiers, pour leur tableau financier de consolidation. Donc, chaque population va avoir ses propres dashboards, ses propres indicateurs pour faire le monitoring opérationnel, financier, en termes de ressources de leur projet. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les projets opérationnels, sur l'exécution des projets, et voir comment, au sein de ce domaine, on peut gérer une communication et une gestion interprojet. Au sein d'une entreprise, et spécialement les grandes entreprises, de multiples projets sont lancés chaque année. Donc, il y a des petits projets, des projets de taille moyenne, et des gros projets, voire des programmes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de personnes responsables de projets, et la communication entre ces chefs de projet, ces projets, et les informations autour des planifications n'est pas chose aisée. Avec un gros volume de projets, on peut rapidement perdre l'information, et ne plus savoir quels sont les véritables plannings de chaque projet. Donc pour cela, PPM propose plusieurs solutions pour remédier à ce problème et partager l'information pour un meilleur contrôle de l'ensemble de nos projets. Les trois fonctions que je vais présenter aujourd'hui sont les tâches miroirs, les sous-projets et les programmes. Donc, grâce à ces différents découpages, on peut, dans le cas de projets compliqués, améliorer la visibilité et avoir un meilleur contrôle de nos projets. Dans chacun de ces scénarios, il est important de noter que des notifications sont envoyées aux différentes personnes responsables en cas de changement de planning dans le projet. Donc, en plus du partage de l'information, on peut également s'échanger des notifications pour que chaque personne soit informée en temps réel des modifications des différents plannings. Donc, tout d'abord, je vais présenter les tâches miroirs. Donc, une tâche miroir va être utilisée par un chef de projet lorsqu'il est intéressé par une information de planning d'une tâche appartenant à un autre projet. Donc, dans ce cas-là, il peut, dans son projet, à droite, le projet dépendant, créer une tâche miroir, et cette tâche va faire référence à une tâche originale appartenant à un autre projet. Ensuite, le chef de projet pourra utiliser cette tâche miroir pour contraindre son planning avec des relations entre ces différentes tâches.
Et l'intérêt de cette solution est qu'en cas de changement de planning dans le projet original, le projet dépendant va pouvoir être en temps réel automatiquement ajusté par le chef de projet. Donc, je vais maintenant passer à une présentation dans la solution. Donc, ici, j'arrive dans mon dashboard de projet de la solution PPM SAP. Donc, je vais ouvrir tout d'abord mon projet maître. Donc, ici, on peut voir mon projet maître avec à gauche la structure de ce projet et en bas la tâche que je vais choisir en tant que tâche miroir. Donc, il est important de préciser que pour créer une tâche miroir, je dois avoir des accès au moins en lecture dans le projet maître, un minimum en lecture. Donc, je retourne sur le dashboard et maintenant, je vais ouvrir le projet dans lequel je vais insérer cette tâche miroir. Donc, j'arrive dans mon projet dépendant. Donc, je vais vouloir insérer ma tâche miroir sous ma phase implémentation pour ensuite contraindre le reste de mon planning à partir de cette tâche miroir. Donc, je peux visualiser également le planning en vue graphique et dans cette vue créer ma tâche. Donc, avec le menu contextuel, je peux choisir de créer ma tâche miroir. Elle apparaît dans mon planning et je peux ensuite modifier certaines informations de cette tâche. Donc, tout d'abord, je vais sélectionner la tâche originale à laquelle je souhaite faire référence. Donc, avec l'aide à la recherche, je peux trouver mon projet maître. Une fois que ce projet est sélectionné, je peux utiliser le bouton Find Task pour trouver la tâche correspondante. À ce moment, SAP me propose la structure du projet maître dans lequel je vais pouvoir choisir la tâche à laquelle je souhaite faire référence. Après la sélection, la tâche, donc ici c'est un jalon qui s'appelle Prod Ready, est affichée dans mon planning en lecture simple à la date de planification de cette tâche. Maintenant, cette tâche peut me servir pour contraindre mon propre planning. Donc, je peux créer une relation à partir de cette tâche vers une tâche de mon planning. Ici, la tâche Develop Code. Ensuite, je peux éditer la relation, par exemple, et y ajouter un lag de 10 jours. Okay. Donc, à ce moment, SAP a recalculé mon planning à partir de la tâche miroir et mon planning. Je peux sauvegarder mes données. Donc, nous avons visualisé ici l'initialisation de la tâche originale. Maintenant, que se passe-t-il en cas de mise à jour? Donc, le chef de projet de la tâche originale met à jour son planning, cette tâche va être modifiée. À ce moment, un email va être envoyé automatiquement à la personne responsable du chef de projet dépendant, qui va pouvoir visualiser le changement et, en cas de sauvegarde, valider et intégrer le changement de planning dans son projet. Donc SAP ne va pas modifier directement le projet dépendant, il va d'abord demander une confirmation au chef de projet. Tant que le chef de projet n'a pas sauvegardé, le changement n'aura pas lieu dans son projet. De retour dans mon projet maître, on va simuler un cas de changement. Donc ma tâche Prod Ready a maintenant une nouvelle date de démarrage des jumelles. À ce moment, une notification est envoyée à la personne responsable du projet dépendant avec des informations sur la tâche originale, des informations sur ma tâche contrainte de mon projet. Des liens sont proposés pour visualiser directement les projets impactés. Donc, je vais visualiser maintenant mon projet. Lorsque j'ouvre mon projet, tout d'abord, un message d'alerte apparaît indiquant que les dates de la tâche miroir ont été mises à jour et que je dois sauvegarder mon projet pour intégrer ces changements dans mon planning. Donc on voit bien ici que ma date a été décalée début mai. Par contre, mon planning est toujours planifié fin mars, il n'a pas encore été impacté.
Donc, on peut visualiser également la relation. Et si je sauve mon planning, le changement est intégré et mes tâches reliées ont été automatiquement déplacées dans le futur, conformément à au lag de 10 jours que j'avais initialisé entre ma tâche et mon planning. Donc, de ce fait, le chef de projet dépendant a été informé en temps réel du changement, il peut le visualiser, et s'il accepte ce changement, sauvegarder, et son planning va automatiquement être réajusté à partir de ces changements. Bien sûr, si le chef de projet n'est pas d'accord au sein des explications, il est toujours libre d'appeler le chef de projet du projet original pour demander des explications. Mais d'un point de vue système, le changement peut s'appliquer dès la sauvegarde. Pour résumer sur les tâches miroirs, un chef de projet peut créer une ou plusieurs tâches miroirs dans son planning, à condition qu'il ait à minima les droits de lecture pour ces tâches. Des notifications sont envoyées entre les personnes responsables en cas de changement de date dans ces projets. La tâche miroir ne peut pas être modifiée manuellement, donc c'est uniquement de la lecture simple. En cas de conflit dans les projets, le conflit va apparaître de manière graphique dans la vue graphique. Cependant, la personne responsable du projet dépendant peut modifier certaines données de la tâche miroir, comme le libellé, les statuts, les relations, etc. Donc, il est important de noter que la modification va s'appliquer sous la tâche miroir du projet dépendant, mais pas sur la tâche originale, qui, elle, va rester propriété du projet original. Nous allons maintenant passer au sous-projet. Lorsque les projets deviennent plus complexes ou plus importants, on peut avoir des cas où le chef de projet souhaite déléguer une partie du projet à une autre personne ou un autre département, ou bien, tout simplement pour une meilleure lisibilité, il peut souhaiter découper son projet en plusieurs sous-projets. Donc, grâce à cette fonction de sous-projet, on peut répondre à ce besoin. Donc, cela se traduit par un projet maître qui va porter l'ensemble des sous-projets et ensuite, une ou plusieurs tâches de ce projet maître peuvent faire référence à un sous-projet afin d'avoir un meilleur découpage de l'ensemble des activités. Tout comme les tâches miroirs, des échanges de notifications vont avoir lieu en cas de changement de date à la fois dans le projet maître ou bien dans les sous-projets, toujours afin d'informer les personnes responsables en temps réel. De retour dans mon dashboard projet, donc je vais ouvrir au premier sous-projet. Donc c'est le projet d'upgrade que je vais vouloir intégrer en tant que sous-projet dans mon projet maître. De la même manière que pour les tâches miroirs, un prérequis est d'avoir accès dans ce sous-projet à minima en lecture simple. Une fois que j'ai les accès pour ce sous-projet, je peux retourner sur mon dashboard, ouvrir mon projet maître et ici y choisir d'y intégrer mon sous-projet. Donc, je vais intégrer un sous-projet au niveau de ma phase d'implémentation. Donc, la tâche sous-projet apparaît. Donc, il est important de noter l'icône qui est légèrement différent. On a un petit rond et un triangle pour signifier que c'est un sous-projet. Dans l'écran de droite, un champ est dédié au numéro du sous-projet avec un lien pour ouvrir ce sous-projet directement à partir du projet maître. L'aide à la recherche est disponible si on ne se rappelle pas du numéro du projet et que l'on souhaite le chercher via un libellé ou autre attribut. Dans la vue graphique, on peut également visualiser ce sous-projet. Donc à ce niveau, on n'aura pas de détails mais seulement une consolidation avec une tâche représentant le sous-projet, avec une date de début, une date de fin. Tout comme les tâches miroirs, on peut maintenant contraindre les activités du projet opérationnel à partir de ce sous-projet. Donc je peux créer une relation à partir de mon sous-projet qui va contraindre le début d'une activité suivante. En sauvegardant, la modification va être enregistrée et mon projet est maintenant contraint par
ce sous-projet. Maintenant, si je fais d'abord une vue d'ensemble des activités à la fois du projet maître et du sous-projet, on peut ouvrir le projet via le Multi-Project Monitor. Donc, le Multi-Project Monitor est une vue graphique en lecture simple qui permet de visualiser l'ensemble des tâches appartenant à un projet, mais ainsi qu'au sous-projet. On peut voir ici dans cet exemple que je vois bien sûr les phases et les tâches de mon projet maître, mais également en détail les activités appartenant à mon sous-projet. Donc cette vue est vraiment importante et optimisée d'un point de vue temps de réponse pour visualiser l'ensemble de ces tâches et de manière graphique. Pour résumer au niveau des sous-projets, donc un chef de projet peut créer un ou plusieurs sous-projets dans son planning, à condition qu'il ait un minima un droit de lecture pour ces sous-projets. Les notifications sont également envoyées entre les personnes responsables des projets maîtres et des sous-projets en cas de changement d'abord de ligne. La personne responsable du projet maître ne peut pas modifier le sous-projet, à condition qu'il ait des droits d'écriture, mais s'il a uniquement un accès en lecture simple, ce sera la personne en charge du sous-projet qui va vraiment maîtriser le planning de sous-projet. Les dates de sous-projet peuvent être modifiées manuellement, il n'y a pas d'ajustement automatique. Par contre, des alertes vont apparaître dans le projet maître en cas de conflit. Ensuite, ce sera à charge des différentes personnes responsables de s'entretenir et de résoudre le conflit. La personne responsable du projet maître peut à tout moment décider de consolider les données du sous-projet à l'aide d'une fonction Copy Subproject Data. Donc pour des outils de performance, le système ne va pas en temps réel consolider à chaque instant les données, mais à la demande, le chef de projet peut choisir de consolider l'intégralité des données des sous-projets. Donc grâce à cette fonction, on peut facilement découper les projets en plusieurs sous-structures pour faciliter le monitoring et la visibilité du projet. Troisième fonction que je vais présenter dans ce webinaire, ce sont les programmes. Donc les programmes vont être utilisés dans le cadre de gros projets ou d'initiatives regroupant plusieurs programmes. Donc, dans le cas d'initiatives de grande ampleur, les directeurs de projet peuvent souhaiter avoir une vision d'ensemble de leur programme grâce à cette fonction. Donc la spécificité du programme, contrairement à ce projet, est que uniquement les phases composent la structure du projet. Il n'y a pas de tâches, de livrables, ce sont uniquement des visions par phase. Chaque chef de projet va recevoir des notifications également en cas de changement de date au niveau du programme. Donc l'intérêt est vraiment d'avoir une vue macroscopique de l'ensemble des projets par phase. De retour à mon dashboard de projet, je vais ouvrir un programme et y affecter mes projets. Donc tout d'abord, un programme va avoir une structure indépendante dans la partie gauche. C'est-à-dire que les différentes phases de mon programme sont libres, elles n'ont pas forcément besoin de correspondre aux phases des projets que je vais assigner. Donc, dans cet exemple, j'ai créé trois phases, Study, Implementation, Deployment. Je vais maintenant sélectionner les projets que je souhaite intégrer dans mon planning de programme. Donc en cliquant sur la table Assign Project, et ensuite le bouton Assign Project, je vais pouvoir intégrer mes projets. Donc là encore, une aide à la recherche est disponible. Donc, soit on rentre le numéro du projet directement, soit on passe par aide à la recherche. Et ensuite, on peut assigner le projet. Donc, mon premier projet est assigné. Je vais en affecter un second. Assign Project. Saisi du numéro du projet. Continue. Mon second projet est assigné. Donc à ce moment-là, je n'ai toujours pas mappé les phases entre mon programme et mes projets. C'est la deuxième étape de la gestion du programme. Donc, grâce au bouton Phase Assignment, je vais pouvoir maintenant choisir quelle phase je souhaite intégrer à mon programme. Donc, pour mon projet en bas Webinar, en cliquant sur Phase Assignment, je vais voir dans la phase de gauche les phases appartenant à mon projet et à droite les phases appartenant au programme. Donc
à ce moment, aucune n'a été mappée. En sélectionnant à gauche et à droite les phases que je souhaite mapper, je peux ensuite choisir d'assigner les phases. Donc on peut soit assigner manuellement les phases, soit grâce à un automatic assignment, SAP peut proposer un mapping basé sur le type de phase. Donc c'est au choix. Soit le type de phase peut permettre une affectation automatique, soit le directeur de programme va souhaiter manuellement assigner les phases. Donc je vais continuer l'affectation manuelle pour mes trois phases. Voilà. Donc, mon premier projet a été mappé. Je vais faire de même avec le deuxième projet, qui lui ne contient qu'une seule phase, à gauche. Donc j'ai le choix de le mapper à une des trois phases de mon programme. Donc ici, je vais choisir de le mapper à la deuxième phase, Implementation. Voilà, donc à ce moment, les deux projets sont affectés, ainsi que les phases. À la sauvegarde, les notifications vont également être échangées entre les directeurs du programme et les personnes responsables des projets intégrés. Donc un premier élément de notification est pour informer le chef de projet que son projet a été inséré dans un programme. Donc, on y retrouve les informations de date du programme et du projet, et toujours avec un lien vers le programme et un lien web vers le projet. Une deuxième notification peut être envoyée lorsqu'il s'agit de l'affectation des phases. Donc là encore, les personnes responsables du projet et des phases vont recevoir une notification pour les informer que leur phase a été insérée et affectée dans un programme. Là encore, on retrouve les dates du programme, les dates de la phase, ainsi que de liens vers le programme et le projet en question. Tout comme le sous-projet, on peut souhaiter avoir une vue d'ensemble du programme, non pas limitée par phase, mais également avec le contenu des activités. Donc là encore, si on ouvre le programme à l'aide du multi-project monitor, on va pouvoir visualiser l'ensemble du programme par phase, mais également par tâche. Donc ici, j'ai uniquement un niveau de tâche, mais on peut aller jusqu'au fond de la structure, jusqu'à la tâche du niveau le plus bas. Donc ça peut permettre d'avoir une vue détaillée du programme et de faire un focus sur un projet en particulier et constater quelles sont les tâches qui sont en retard et qui menacent, pourquoi pas, la fin de mon programme. En résumé, donc un programme ne contient ni tâches ni livrables, mais uniquement des phases. Afin de se souvenir à ce besoin de vue macroscopique. La structure du programme est libre et ne dépend pas des phases assignées. Le directeur de programme peut choisir sa propre structure et ensuite y affecter les phases selon sa volonté. Un chef de programme peut assigner un ou plusieurs projets dans son planning à condition qu'il ait à minima les droits de lecture dans ces projets. Des notifications sont envoyées entre les personnes responsables du programme et les personnes responsables des projets assignés, en cas de modification de date ou d'affectation du programme. Et tout comme les sous-projets, la personne responsable du programme ne peut pas modifier la liste des projets assignés s'il a uniquement les droits de lecture. Par contre, s'il a un droit d'écriture, il pourra bien sûr modifier les sous-projets. Mais si ce n'est pas le cas, c'est là bien encore le chef de projet qui reste maître de l'exécution de son projet. Donc voilà pour les trois fonctions principales présentes dans SAP PPM pour répondre à ce besoin de partage de l'information et de la gestion multiprojet. La dernière partie de ce webinaire va être consacrée à l'intégration avec des outils tiers et notamment un focus sur MS Project. Les clients, les fournisseurs, parfois même différentes organisations au sein de la même entreprise, travaillent avec des outils différents. Ils n'ont pas tous les mêmes outils de planification. Afin toujours d'avoir une seule base commune d'information, SAP PPM propose d'intégrer à partir d'outils tiers l'ensemble des plannings et de les consolider au sein d'SAP dans un même format, une même base de données.
Donc, les différents formats supportés sont les fichiers Microsoft Project Server, client, XML ou Excel. Donc, grâce à une table de correspondance, SAP est capable d'intégrer ces projets au format PPM. Donc, je vais faire un rapide focus sur le paramétrage pour expliquer comment cela fonctionne. Dans le paramétrage PPM de la solution, il y a une zone dédiée à l'intégration à Microsoft Project. Avec cette intégration, on peut, via l'étape de paramétrage, choisir quels sont les objets que l'on souhaite partager, les phases, les tâches, les ressources, etc. Et ensuite, grâce à une table de mapping, on peut facilement mapper les champs Microsoft Project d'une part, au champ SAP PPM d'autre part. Donc avec un mapping de 1 pour 1, avec un transfert direct. Si on a besoin de règles de conversion, de règles métiers particulières, il est toujours possible d'y affecter une règle de conversion dans le paramétrage. Donc ceci pour vous illustrer qu'on peut facilement intégrer des données Project, soit telles quelles, soit en les convertissant à un format particulier. De retour dans mon dashboard projet, je vais simuler l'export d'un projet SAP, une modification et un apport à nouveau dans SAP. Donc, mon projet d'upgrade est ouvert et il y a un bouton Export Project. Avec cette fonction, je vais pouvoir exporter mon projet au format souhaité. Donc, ici, je vais choisir d'exporter mon projet au format Microsoft Project. Tout d'abord, un contrôle de consistance. Jusqu'ici, quelques avertissements, mais pas d'erreur. Je peux choisir d'exporter mon projet. Donc, je vais sauvegarder. Et ensuite, il va s'ouvrir dans Microsoft Project. Ici, je peux constater que mon projet a été exporté de bonne manière. Je retrouve mon projet, mes phases, l'ensemble de mes tâches, mes relations, mes barres de progression de chaque tâche, etc. Maintenant, je vais simuler une modification de durée sur une tâche business test et je vais lui affecter une durée de 20 jours au lieu des 10 jours prévus initialement. Je valide et sauvegarde ce nouveau projet en tant que fichier MPP. De retour dans mon dashboard SAP, je vais maintenant choisir de réintégrer ce projet modifié grâce à la fonction d'apport. Donc à la fonction d'apport, on peut là encore choisir le format du fichier à intégrer. La cible, je peux choisir soit de mettre à jour directement le projet SAP avec les risques que cela peut comporter, soit de créer d'abord une simulation de version qui va me servir de version temporaire pour comparer et constater les changements avant de les valider. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ensuite, je peux choisir d'importer uniquement la structure et les ressources, ou bien la structure, les ressources et les affectations de ressources. Donc là, je vais importer la structure uniquement. Là encore, un contrôle de consistance. Si tout va bien, je peux maintenant importer mon projet. Donc, le projet est importé. Je retourne dans mon dashboard projet. Donc, tout d'abord, je peux visualiser quels seraient les changements apportés à mon projet si j'intègre ces modifications? Donc, si j'ouvre à nouveau mon projet, donc ici j'ai toujours mon projet opérationnel tel qu'il est planifié. Ici, il y a une fonction de comparaison. Donc, en appuyant sur ce bouton comparaison, je peux choisir de comparer le planning de ce projet à une version autre d'SAP. Suite à mon apport, SAP a créé une version d'import de projet. Donc avec le même nom, le même ID, mais une version d'apport. Okay. Grâce à cette fonction, j'ai pu visualiser quels sont les changements apportés par cette version. Donc les couleurs pleines représentent le projet opérationnel tel qu'il est planifié. Les couleurs hachurées représentent la version d'apport. Donc ici, je vois bien que jusqu'à aujourd'hui, pas de changement. Par contre, à partir de février, certaines tâches ont été rallongées et en conséquence, mon planning global est rallongé d'environ 2 semaines. Donc, en tant que chef de projet, je peux choisir oui ou non d'intégrer ces changements. Si je souhaite intégrer ces changements car ils sont pertinents,
je peux choisir maintenant le mode réconciliation. Donc, je vais retourner sur mon dashboard. Dans le menu à gauche, choisir le menu version. Le menu version permet de travailler sur les différentes versions des projets dans SAP, que ce soit des versions de la simulation, des screenshots, des versions d'import. Ici, je vois que ma version d'import est importée. Je vais appeler la fonction de réconciliation. Dans le menu réconciliation, je visualise mes deux structures. À gauche, ma version d'apport, qui est ma dernière version incluant les modifications, et à droite, ma version actuelle de mon planning tel qu'il est dans la base SAP. Pour chaque objet, on a différentes catégories d'informations. Les informations dédiées au Project Element qui vont contenir les dates, les durées, les libellés, etc. Les informations relatives au statut, aux documents, etc. Pour chaque type d'information, SAP va afficher un icône qui illustre si ces éléments ont été modifiés par la version ou s'ils sont toujours identiques. Donc l'icône vert signifie que l'élément n'a pas été modifié et qu'il est identique entre les versions d'apport et la version actuelle. L'icône jaune est un peu particulier. Le triangle jaune représente des modifications, mais uniquement sur des attributs qui ne peuvent pas être modifiés. Donc, ça peut être des avis techniques, des statuts inchangeables également. Donc, en général, cette icône jaune signifie que l'élément n'est pas fondamentalement changé. Il est également possible de modifier la façon dont l'icône apparaît. On peut très bien décider que les triangles jaunes n'apparaissent pas pour éviter toute confusion. Enfin, l'icône rouge représente des vraies modifications de planification. Donc, ça peut être un libellé différent, une durée différente, des relations avec d'autres tâches qui changent, etc. Ici, je constate bien que mes deux tâches, régression test et business support test, ont été modifiées. Donc, si je souhaite réintégrer ces modifications dans mon planning, je peux les sélectionner. Donc, je pourrais très bien sélectionner également les tâches supérieures ainsi que le projet à cause de l'icône rouge. Mais comme mon projet est en planification ascendante, le fait de réconcilier ces deux tâches va automatiquement régénérer la consolidation du projet. En appuyant sur le bouton Reconcile, à ce moment, SAP a injecté ces modifications dans le projet opérationnel. L'icône rouge a disparu, car maintenant mes tâches sont en phase avec mon projet opérationnel. Et si je sauvegarde, mon projet maintenant est sauvegardé. Maintenant, je peux constater le changement dans mon projet opérationnel. De retour dans le menu Project, je vais rouvrir mon projet. Et à ce moment, je confirme que mon projet a été intégré correctement. On voit bien que ma tâche business test support a été rallongée. Le planning en couleur pleine est en phase avec le planning en couleur assurée qui correspond à la version d'abord. Et maintenant, mon planning finit bien début avril, deux semaines plus tard que prévu initialement. En résumé, donc les fonctions d'import-export entre SAP PPM et MS Project sont livrées en standard, avec possibilité de mapper les champs via un paramétrage simple. À l'import d'un fichier MS Project, le chef de projet peut importer soit la structure du projet uniquement, soit la structure et les ressources, soit l'ensemble des informations, la structure, les ressources et les affectations des ressources aux différentes tâches. À l'import d'un fichier Project, le chef de projet peut choisir soit de mettre à jour directement son projet avec la nouvelle version, soit créer une version temporaire du projet, une version d'import, afin de ne pas écraser directement son projet opérationnel. Enfin, les fonctions de comparaison et de réconciliation permettent au chef de projet de vérifier les modifications apportées à son projet avant de les valider ou non. Ce qu'il faut retenir de ce webinaire. Chaque projet a souvent des dépendances avec d'autres projets, d'autres personnes de l'organisation, voire d'autres initiatives. Afin de supporter ce besoin, SAP PPM propose trois fonctions principales, qui sont les tâches miroirs afin de partager les informations d'une tâche appartenant à un projet, les sous-projets qui permettent de décomposer les projets en plusieurs sous-ensembles
facilité, la lénibilité, ou tout simplement pour déléguer une partie du projet à d'autres personnes. Et enfin, les programmes qui permettent une consolidation globale de plusieurs projets, de plusieurs phases. Donc, à des fins de, pour les directeurs de programme d'avoir une consolidation globale de leur projet. La vue Multi-Project Monitor est une vue optimisée qui permet de visualiser l'ensemble de leurs projets et de leurs activités dans une seule vue graphique. En cas d'utilisation d'un outil tiers de planification au sein de l'entreprise, il est possible d'importer les projets de plusieurs outils tiers dans la base SAP BPM grâce aux fonctions d'import, que ce soit des fichiers Excel, XML, Project, Client ou Server. Toujours afin d'avoir une seule base unique d'information dans SAP BPM. Donc, nous allons maintenant passer à la revue des questions. Alors, première question. Une tâche miroir ne s'affiche qu'en jalon. Première question. Alors non, dans cet exemple, effectivement, j'avais choisi d'afficher un jalon en tâche miroir, mais on peut assigner n'importe quel type de tâche. Donc ça peut être une tâche d'un jour, un jalon, ou une tâche qui dure 10 jours, 20 jours, 30 jours. C'est au choix du chef de projet. Deuxième question. Les autorisations peuvent-elles être gérées à partir d'une structure organisationnelle ou une relation hiérarchique afin de ne pas avoir à les gérer projet par projet? Alors oui, il y a plusieurs modes d'autorisation dans PPM. Donc on peut avoir des autorisations globales dans la solution. On peut par exemple autoriser une certaine population à avoir accès à un certain type de projet ou à un certain groupe de projet. Cela peut également être géré en s'appuyant sur une structuration organisationnelle HR. Par exemple, des personnes appartenant à tel département peuvent également avoir accès à des projets de ce département, ou bien manuellement via l'onglet autorisation présent dans le projet que j'ai montré aujourd'hui. Donc en fonction des besoins, on peut adapter la gestion d'autorisation dans la solution. Question suivante. Les phases sont des objets à définir dans les plannings. Alors oui, SAP BPM est une solution qui est vraiment structurée par phase. Donc c'est un élément presque incontournable. Donc un projet peut avoir des tâches assignées directement en dessous du projet, mais si on veut aller plus loin dans la structuration du projet, la phase est un élément obligatoire dans les plannings SAP BPM. Et c'est pour cela que les programmes ensuite permettent de consolider les données des projets par phase. Question suivante, l'intégration PPM MS Project se fait avec SAP ECP ou non? Alors, SAP ECP est un connecteur produit par SAP qui permet effectivement d'intégrer les données de Microsoft Project vers le module PS. Donc là, on parle d'éléments d'OTP, de WPS Element. Ici, entre PPM et MS Project, ça ne suit pas ces connecteurs. C'est une fonction inhérente à la solution PPM, donc qui passe par cette table de paramétrage, et ensuite, c'est fonction d'apport et d'export. Donc SAP ECP couvre uniquement l'intégration avec PS. L'intégration à PPM est couverte par cette fonction native d'apport et d'export. Est-ce que ce process d'import-export peut-il être automatisé? Alors, de manière native, non. C'est une intégration et un export manuel. Après, on peut très bien imaginer la création de rapports ou de routines qui peuvent être exécutées pour simuler l'import et l'export des projets, mais ce sera considéré comme un développement annexe et pas partie intégrante de la solution native SAP. Est-ce que la fonction d'apport fonctionne également à partir de Project Server? Alors, oui, c'est-à-dire qu'on peut importer des données avec des fichiers clients ou bien des fichiers serveurs. Donc, les deux options sont disponibles. Donc, toujours à partir des SAP, on peut choisir d'exporter et d'importer au format souhaité en fonction du besoin. Est-il possible de gérer des buffers avec SAP PPM?
Alors, si je comprends bien la question, c'est de pouvoir garder en mémoire les projets. Alors, les projets sont sauvegardés dans une base de données. Et entre différentes sessions, on ne peut pas garder en mémoire vive ou en buffer les projets. Les solutions proposées pour avoir plusieurs versions de projets vont être l'utilisation de versions de soit de simulation, soit de snapshot. C'est-à-dire qu'à tout moment, un chef de projet peut choisir de sauvegarder son projet dans une version inverse, qui ne va pas impacter son projet original, mais être enregistré dans une autre version. Ce qui peut lui permettre de travailler dans une version temporaire sans pour autant impacter son projet original. Une fois que cette version temporaire est jugée convenable ou est validée par le chef de projet, il peut choisir de la réintégrer dans le projet original. Une autre question était s'il est possible d'intégrer une tâche miroir, enfin une tâche dans plusieurs projets indépendants. Donc oui, une tâche miroir peut être affectée à plusieurs projets, elle n'est pas exclusive. C'est-à-dire que plusieurs chefs de projet peuvent faire référence à la même tâche miroir. Il n'y a pas de limitation technique. En ce qui concerne les sous-projets, est-il possible d'avoir un niveau illimité de sous-projets? Donc oui, là encore, il n'y a pas de limite technique. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, autant de niveaux de sous-projets que l'on souhaite. Donc là encore, il faudra avoir un œil attentif à la structuration du projet. Ce qui est vraiment trop important, cela peut potentiellement gérer des problèmes de performance, mais la solution propose est suffisamment flexible pour proposer différents niveaux de sous-projet. Sur les programmes, est-il possible d'affecter, faut-il avoir une seule phase affectée à une phase ou peut-il avoir plusieurs phases assignées? Donc oui, dans les programmes, une phase de programme peut correspondre à plusieurs phases de différents projets. Donc c'est un des intérêts, il est possible de consolider plusieurs phases différentes, distinctes au sein d'une seule et même phase du programme, si elles font partie de la même phase de ce programme. Au niveau de l'apport entre MS Project et SAP, est-il possible de mapper également des champs custom? Donc oui. Donc bien sûr, le paramétrage prend en compte les champs standards entre MS Project et SAP, mais il est également possible d'intégrer des champs custo à la fois côté MS Project et à la fois côté SAP PPM. Ah, donc on me corrige pour la question concernant le buffer. Donc la question était liée donc, au buffer en tant que réserve de travail entre un projet et des sous-projets liés. Donc avec des tâches qui ne sont pas de durée identique. Alors, si on retourne dans le cas des sous-projets, donc un sous-projet est géré de manière indépendante. C'est-à-dire que le PM peut choisir de contrôler son projet à sa façon. Il peut faire le choix de garder un buffer à la fin de son projet s'il veut assurer ou garder un travail en cas de dérive. C'est-à-dire que le projet maître ne va pas contraindre le sous-projet. Même si au début le projet maître affecte un sous-projet, il va récupérer des tâches du sous-projet. La personne responsable du sous-projet est toujours libre de rallonger les durées. Donc, dans ce cas, en cas de conflit, des alertes vont apparaître dans le projet maître, mais le sous-projet ne sera pas contraint. Donc, le chef de projet est vraiment libre de contrôler son projet, même s'il est affecté à un projet maître. Donc j'espère avoir bien répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. Si vous avez d'autres interrogations, il me reste encore quelques minutes, n'hésitez pas à saisir votre question dans la zone correspondante.
Donc apparemment, on n'a pas de questions supplémentaires. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation à ce webinaire. Donc, en cas de questions complémentaires ou si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à contacter soit Jessica, soit moi-même. Nos coordonnées figurent en première page de ce webinaire. Nous enverrons également nos coordonnées à tous les participants par email à la fin de ce webinaire. Également, cette vidéo sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la visualiser de nouveau, la partager avec vos collaborateurs s'ils sont intéressés par le sujet. Jessica, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, rien de plus à ajouter. Merci à tous de votre participation et on se retrouve très vite pour un nouveau webinaire sur SAP PPM. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.